Chers amis, je pense que vous avez reconnu l'endroit où je me trouve. Je suis dans la primatiale Saint-Jean, ma cathédrale, votre cathédrale, la cathédrale de notre diocèse. Un lieu qui a été magnifiquement restauré à l'intérieur comme à l'extérieur. Une cathédrale qui est aussi bien sûr un lieu de prière. Beaucoup de personnes viennent ici pour se recueillir, un lieu de célébration, un lieu de rassemblement. C'est ici, dans cette cathédrale, qu'aura lieu bientôt, du 22 octobre au 11 novembre, un spectacle magnifique, un spectacle intitulé « Lion né de la lumière ». Grâce à ce spectacle et grâce à un jeu de lumière époustouflant, vous pourrez voir la cathédrale comme vous ne l'avez jamais vue. Et puis surtout, ce spectacle, je pense, nous permettra de reprendre conscience de l'aventure extraordinaire qui fut celle des premiers chrétiens dans cette ville de Lyon. Vous savez que cette histoire remonte au IIe siècle et certainement aussi reprendre conscience de ce qui a inspiré, de ce qui a initié cette histoire. Ça sera un spectacle grandiose avec des artistes professionnels, mais aussi plus de 150 figurants. Je vous invite à venir à l'une des représentations de ce spectacle, seul, en famille, avec des amis. Je suis persuadé que nous ne repartirons pas sans être changés intérieurement, certainement revivifiés dans notre foi grâce à ce spectacle. Venez et voyez.